Ouh! Pipi caca, c'est Ward, bande de salope. Ouf, j'ai Alors la vache, j'ai cru que j'ai Mince, comment par où commencer en fait? Bah salut, on va jouer à Bulletstorm aujourd'hui, c'est super. Aujourd'hui j'ai flippé ma race pour pas mal de trucs. Tout d'abord parce que le son ne marchait pas. J'ai dû réinstaller toutes les cartes son, tous les processus de mon PC, parce qu'il plantait à mort. Ensuite, c'est Bulletstorm justement, qui voulait pas se lancer. J'ai dû le réinstaller. Merde, prologue, super. Sauf que moi, tu voyais, j'ai déjà fait le prologue. Donc ouais, j'ai réinstallé. Donc voilà, la sauvegarde, on dirait qu'elle est bouffée. On va voir ça tout de suite. Et si je me retrouve au premier niveau, je vous téléporte vers le deuxième. Ouais. Et attention. Procédure en cours. Oh ouais, bref, téléportation. Je sais pas si on en était, si on avait passé ce passage. Bon bref, c'est parti hein. Ah si on a peut-être. Ah ouais, je me rappelle. Oh de ça. Ah au fait, c'était pour vous dire en fait. Demain c'est mes examens. Et je suis là, normal. Ouais, demain c'est mes examens. Ah. Perso, je vais les couilles. Parce que je sais que j'aurais en fait mon brevet. Mais bon. Ok. Il est mort. Je l'ai flingué. Et je pétais. Comme ça, si vous aviez pas entendu, et ben au moins je vous l'ai dit. J'ai largué une grosse caisse dégueulasse. Bienvenue sur la chaîne de Ward. C'est pas propre ça? Bon, bah c'est parti, chapitre 1, on commence en avant. Je suis dans du caca, accroupi. Je suis un beau gosse. Aide. Aide-moi. Comment? J'ai mal. Aide-moi. Dieu merci. Mon Dieu. Dieu n'a rien à voir avec ça. Pitié, aide-moi! Il y a deux personnes dans son corps en fait. Écoute-moi. T'as été blessé pendant l'attaque. Doc a relié ton cerveau à un bioprocesseur robotique. Tu vas avoir du mal à t'y habituer. C'est comme une amputation, tu vois. Je vais t'aider, je vais t'aider. Toi. Lâche-moi. Toi. Lâche-moi. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Comprendre quoi? Normal, t'as plus de cerveau, t'es un robot de merde. Ta soif aveugle de revanche nous a tous condamnés. T'as condamné toi? Lâche-moi. J'aime même pas m'étrangler. Je suis désolé. Arrête. T'es désolé. Je ne contrôle plus, mec. Tu ne contrôles plus, stop. Le bioprocesseur résiste à son emprise. Allez. Ne le laisse pas t'affecter. Je vais te tuer, Gray. Il n'y a pas d'autre alternative. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a décidé. Dieu ça, n'a rien à voir. C'est l'un des lassos de Final Echo. Ouais. Et ouais. Et alors? Tu vois la ligne de com? Ouvre-la. Coupe ton micro. Que tous les survivants signalent leur position. Niska, ici Sarano. Mais vivant, mais je suis coincé sur le toit d'un putain d'hôtel. Alors tu bouges ton petit cul et tu viens m'aider. Les locaux pullulent, je suis mal barré, j'ai besoin d'aide. Tous les autres échos, passez vos trackers sur zéro, en position. Je me dirige vers le centre-ville général. Sarano, ce bâtard est encore en vie. Ce bâtard. Ça change tout, Michi. Même si tu veux pas assassiner cette espèce de salaud, il est ici, et des navettes d'évacuation vont rappliquer. Cher, détends-toi. Calcule nos chances de survie. Tu peux pister cette femme? Ouais, bien sûr. On la retrouve, elle nous mène à Sarano, on et... On se sert du général pour s'enfuir. Le tuer serait contre-productif. Je sais à quel point il t'importe de m'aider. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Je pensais quand même pas le tuer. Voyons, On le trouve, on se barre d'ici. Tuer, n'importe quoi. Je connais des super bio-ingénieurs. Ils vont te retaper ici. Sur la tête de ma mère. Mais si tu échoues, tu n'auras plus aucune chance de rédemption. J'imagine. Tu es.
La charge de ma batterie s'affaiblit. Si je ne la recharge pas d'ici 30 minutes, je vais mourir. Les salauds qui nous ont attaqués, il y en a un bon paquet plus loin au sud-est. Ils ont sûrement de quoi te recharger. Alors, je viens avec toi. Pour la dernière fois. Ok, en avant. Oh putain. Putain. J'arrive, y'a un truc qui m'explose à la gueule, bordel. Ah, c'est une sorte de tuto psychologique, tu vois. Si tu tires là-dessus, ça fait boum. Non, sérieux. Run, 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 run away. Run away, run, 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 run away. Et boum! Déjà plus de PV, bordel. J'espère qu'on pourra s'ajouter des skills et tout, parce que là, franchement, ça craint un max. Ok, c'est là. Je croyais que c'était Aishi qui fallait venir appliquer feu. Attention! C'est compris. Tais-toi, tu tiens le choc, c'est pas trop douloureux. Que si. What the fuck? Mais je vais devoir m'y habituer. Je vais te sortir de ce foutu merdier ici. Pourquoi je peux pas ramasser ça? Bref, on s'en tape. Continuons. Oh, un pont fait de colonnes vertébrales de dinosaures que j'espère que je n'aurai pas à affronter. Wow, that lag when I run. À mon tour de me faire exploser au tonneau, c'est ça? Ça aurait été trop prévisible. Une grande pente avec un mec en haut. Est-ce que tu sais à quoi on a affaire ici? Je sais pas. Non. Mais c'est coupé. C'est ça. Les données d'identification remontent à plus d'un an. Saranomi jette un sale coup sur cette planète. Je l'ai fait il y a 2 ans. Putain. Activation kit de large 1375. Connexion établie, réinitialise, analyse, envoie à la base de données skill shot, analyse des compétences offensives. Oh! Yeah! Qu'est-ce que je disais? Des skills. Alors. Et c'est quoi tout ça? Ouais, bref. Et comment qu'on fait quoi? Bref, on va les couilles en fait. Oh, bordel de merde. Analyse de combat. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, hein? Et il va avoir l'occasion de prouver son efficacité. On se fait attaquer. Impeccable. Bah voilà. Yeah. Oh putain. Regardez. J'appelle ça le coup de la râpe à fromage. La poupée vaudou, ouais, c'est ça. Quand je fais de la purée bullshit, je sais sûr de ce qu'il y a dedans. Wow, yeah, that piercing. Putain. Les jambes. Il est trop stylé. Et toi, machine magique. L'argazin. Alors, mon arme. Acheter magasin, optimiser capacité. Ah, et tout ça, ça vaut des screenshots et tout et tout. Ok. Ok, j'ai 302 balles à peu près. Bon, il y a du sang partout.
Quoi ça être? Ça être rien d'intéressant, ça être décor. Oh, des cactus. Putain, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que tu crées comme ça? Allez hop, bonne gaffe, hein. Oh, j'adore ce jeu, putain. Fais du feu. Fais du feu. It's amazing. Qu'est-ce que tu veux? Sachez. Je suis en cactus. Je suis en cactus. J'arrête de faire les conneries là. C'est moi ou il s'enfuit? Poupée vaudou. Il est trop bon ce jeu. Contre un mur. Oh yeah. Voilà. Ensuite. Et hop, toi t'es à mort. J'adore ce jeu, la vache. Et vous voterez hein, pour dire si vous voulez celui-là. Tout à l'heure, je ferai sûrement du Darksiders parce que j'ai un petit... j'ai un pote qui me l'a demandé. Tiens bon, dédicace ici à Yayou, hein. Yayou 06. Lui. La technique du yo-yo. Encore. C'est trop bon. J'adore les terrains vagues comme ça. Ils ont de l'armement confédéré. Je comprends plus rien. On est aux confins de l'espace. Il y a aucune colonie, ni aucune troupe confédérée à proximité. On est dans la merde, soldat. Oh, pleine gueule, 25 points. Ok, je dis un pleine gueule maintenant. Plus les headshots. Oh, plus 10, mais c'est nul ça. Alors lui, il va arrêter de faire un pied, d'accord. Wow, c'est pas toi, je parlais. Voilà, pleine gueule. Et PAN! Bah voilà, salope! Qu'est-ce que tu veux lui? Voilà, GG ici. Putain, ça pète de partout. Énorme. Oh. Un pas de deux. C'est quoi là, il croit qu'il est à couvert ou... Est-ce que à travers le mur j'y arrive? Et ouais, même à travers le mur j'y arrive. Pouf, les gars, tu vois. Contre le mur, allez, pouf. Graffiti. J'adore. Graffiti, c'est quand on voit la gueule d'un mec dans un mur. Putain, 36 balles. 207 à peu près. Pleine gueule, eh ouais, boum boum. Merci Ichi, mais Oh yeah!
Et boum. Et boum. C'est trop stylé ça. Est-ce que j'arrive avec lui? Non. Ce qu'il veut lui. Allez, c'est à moi. Graffiti. Comment il a fait pour être coupé en deux? Trop balèze. Je coupe des mecs en deux. Trou de balle. Cette zone présente une importante radioactivité. On ne survivra pas si on s'y attarde. Comme au bon vieux temps. J'ai l'esprit mal placé. Excuse mon manque de nostalgie. Où c'était fait exprès. Putain. Comment on va s'éclater. Ah, laisse. Je suis mort de rire. Putain. J'ai peur. Bon, et je fais ça. Yeah. Je suis accroupi ou pas là? Ah non, j'étais même pas accroupi. Bref, on va où du coup? J'ai paumé ici. Yeah. Flashes. Bon. En Suisse. Ou on pourrait dire ensuite aussi. Yeah. Ce tour bio fort. Mais moi, ce qui me tente, c'est ça. Parce que je l'ai vu tout à l'heure. So, skill point disponible. Skill shot découvert. Skill point accumulé. S'en fout du lasso. Moi, ce que je veux, c'est améliorer mon arme. Acheter magasin. Allez hop. Plus de munitions. Optimiser capacité. Voilà, mieux. Magasin. Magasin. Je ne peux plus améliorer mon arme. Voilà, 550 balles maintenant. Pu. Membre de la PIM team officielle, c'est Ward. J'ai essayé de passer par là. Hop. Putain. Je... Bon. Reprenons notre sérieux. Grimpons là-bas. J'ai paumé Ishi, je sais pas ce qu'il fait. Je trouve ses batteries elles sont à plat, ça y est, il est tombé par la fenêtre. Batterie. Dans ça. Boum, j'ai dit. Ah super, j'ai morflé aussi. C'était tout à fait prévu, hein. Vous voyez pas que j'ai pas fait exprès. Et ça, non, ça fait pas babou. La Confédération vous accorde des skill points si vous avez le bon réflexe dans une situation critique. Préparez-vous à maintenir BDS. J'ai mappé toute la zone. La seule issue, c'est par en bas. Du combat rapproché dans un complexe minier, moi non pas plus. Très chaud. Moi non oh. Plus. J'ai jamais j'y voulu parle ça. Comme moi, hé, salope. Mais on n'a pas le choix. Quoi, ils arrivent? Bah non, on avance, putain. Il est... Merde, ils arrivent. Ah, ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Bah de là, bien sûr. Tu veux quoi, toi? Et lui, le vieil indien, là. Hein? Encore. Dans la grille. Dans la grille, j'ai dit. Encore. Yeah. Allez, on y va. J'adore donner des coups de pied. Je me suis pris dans la gueule. Ça le fait rire en plus, c'est imbécile.
Allez. Enfin. Bon, allez, on utilise cette saloperie. Avec le pied, bien sûr. Non, avec la main. Waouh, imbécile. Couille. Dernier train avant explosion. Oh non, je parie que c'est un truc. Vous savez, les niveaux qui sont bien chiants, ceux sur lesquels tu bloquais quand tu jouais à la PS2, quand t'étais un mioche. Vous savez, quand t'es sur une plateforme carrée, que le truc il avance à 2 à l'heure et qu'il doit arriver à l'autre bout, et que pendant ce temps-là tu te fais attaquer par des vagues et des vagues d'ennemis. Non mais c'est ça dans tous les jeux, hein. C'est forcément ça. Et au bout d'un moment, des fois, t'as même un moment où tu dois prendre une mitrailleuse fixe. Et où tu galères grave parce que tu dois empêcher avec la mitrailleuse fixe les monstres d'arriver de l'autre côté. On voit que j'ai joué à, par exemple, Jack and Dexter ou Metal Arms. Putain, qu'est-ce qui m'avait saoulé ce jeu. Enfin, il était cool, mais putain. De l'extraction pirate d'uranium. Non, ce complexe est trop élaboré. Ce n'est pas du travail d'amateur. On s'en fout. Tout ce que je sais, c'est qu'ils verront pas la couleur de leur argent. Et la lumière du jour. Reste sur tes gardes. Nous ne sommes pas en dessous. 764, eh ouais. Et hop là, un magasin. Déverrouiller, charge. Vide un magasin de munitions spéciales d'une seule rafale concentrée de 100 balles. Neutralise instantanément la plupart des ennemis. Et bien sûr, j'ai bouffé tout mon fric. Tout en lisant le truc, hein. Donc je n'ai pas pu me le prendre. Coup de pied. Bouh. C'est le seul passage. Ah ok, c'est glace. J'ai le cul tout mouillé. Oh, lui va s'en prendre plein la gueule. Périsette, sale crevure. Bouh. Ça, c'est mettre du cœur à l'ouvrage. T'aimes bien. Merde, faut pas lui donner de coup. En plus, il fait du ressort, regardez. Il peut plus s'arrêter. Oh. Et là, il s'arrête. Et ouais, là, il s'arrête. Un petit peu dans le cul aussi. Voilà. Oh là. Quoi? Comment ça, il pourra pas aller au paradis parce que j'ai purifié ce... Hein, comment ça j'ai profané son cadavre? Des balles dans le cul, c'est pas la mort. Hein. Toi tu le rejoins. Tout de suite. Ah ouais, tu veux pas. Voilà. Et ça, pourquoi je peux pas le prendre? Allez, ramasse-le. Ok, c'est pas possible en fait. Bon. Et bien voilà. C'est un terrain vague, vide. Je peux envoyer plein de gens là-dessus. C'est trop stylé. Je pense que le jeu sera formé sur la plupart de... Sur ça, pour la plupart. Je me mets de ce côté-là, Ichi. Bon, en fait, on va avancer, hein. Tu vois. Wow, pourquoi j'ai... Coucou. T'es qui, toi? Et hop là, tout balle. En pleine gueule, en pleine gueule. Merde. Et il se relève. Pouh. En pleine gueule. Bon, ok, c'est à bout portant, celui-là il compte pas. Mais je suis content quand même. Hein. C'est énorme ça? Non, c'est une tache par terre. C'est du sperme de licorne. Riyad, il dit que le sperme de démon, il est de couleur magnifique jaune. Non, c'est un sacré bordel. Alors, le noir, c'est le sperme de démon. Il y a assez d'artillerie confédérée ici pour que ces dégénérés en fassent leur nouvelle religion. Détruisons tout. Il ne faut pas laisser la moindre chance à ces sauvages. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ouais, bah, fais-le ici, hein, parce que moi, j'ai pas une arme lourde, tu vois. Alors tu te démerdes. Ok, il veut pas faire avec le dernier, bah je le fais. Les tigres ont pas l'air emballés par notre plan. Élimine-les tous. Ça chauffe pour moi. Je suis à court d'énergie. Ouais bah. C'est pas mon problème. C'est fou en fait gueule. Et celui-là, il mérite des Oscars.
Ça c'était un flex. Que le mec il se la tient. Regardez bien. Oh non, ce lag. À couvert, à couvert. Fais le malin, connard. Fais le malin. Putain, c'est trop cher. Bon, tu vas venir là, ma salope. Dommage, voilà. Toi aussi, tu vas venir là. Comment je vais t'exploser, toi? Oh yeah! Pleine gueule plus trou de balle, et ouais. Les jambes écartées. Tiens! Attention, ces enflurons à vos tours! Utilise le bateau! Ouais, j'utilise de l'assaut là. Va-t'en toi. Il a accoudé contre ce truc. Non. Va là où est ta place. Par terre. Comme un chien. J'en fais du bruit ça. Putain. Ouvre-toi. C'est un terminal de forage. Ce machin utilise des pistons à fusion. Wow. Tu pourras te recharger là-bas. Quoi? Bah ce qu'il faut. Bah c'est quoi, je vais attendre. Si on y arrive, le site de crash de Lully c'est de l'autre côté de la Putain, ville. Putain, matez-moi ces décors, c'est pas trop classe. La lune, elle est grave proche. Non, c'est une autre planète, c'est quoi? Bref, on est grave bien. Oh, les toits de tôle, ça me fait penser à Far Cry 3. Ça me donne pas des bons souvenirs à vous ça. Ah moi si, putain. Oh la vache. Approchez mes jolis. Vous allez goûter à mes pruneaux. Je suis là aussi, s'il vous plaît. Collard. Hop là, plus un plein gueule, non? Ok, comme tu veux. Graffiti, s'il te plaît. Même pas, c'est nul. Suivante, bande de salope. Ah, ah. Un plein gueule, un plein gueule. Oui. Un plein gueule, hein. Et ensuite. Salope. Oh, il faut qu'il y ait 250. C'est trop bon ça. Regardez-le crever. Overdose de ketchup. Il est en train de crever. Il imite et se noie dans son sang tout seul comme une merde. Oh, de suffocation à la suite. Nouvelle vague ennemie en approche. C'est pas un problème. Le comité d'accueil est là. Voilà, connard. Voilà. Non, faut que je me mette à couvert. T'arrêtes de faire le alarm check par terre, toi, connard. Bon. Mais... faut qu'il ait marqué coup de pied. Je suis un fan des coups de pied, quoi. Ah c'est un ascenseur. J'espère pas qu'ils vont tomber du ciel. De la chair fraîche nous barre la route. Ah, content de voir que t'as retrouvé le sens de l'humour. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. C'est un cannibal qui paraît qu'il va m'attaquer avant la fin du jeu. La chair fraîche nous barre la route. Ah c'est drôle. Non, je rigolais pas. Ah.
Tête. Il se replie. Poursuivons-les jusqu'au dernier. Alors là, on est fait pour s'entendre. On est enfin sur la même longueur d'onde ici. Toi, dégage, d'accord. Quel bande de salopes, j'ai dit. T'as cru que t'allais t'enfuir, hein? T'as cru que t'allais t'enfuir? Bouh! Oh my god! Putain! Shiba! Non, d'accord. Je t'explique, je suis entré comme un bourrin dans la baraque. Plus j'ai shooté dans la barrière, elle s'est envoyée dans un mec. Le mec, il est coupé en deux parce qu'il est shooté dans la barrière. Les autres, ils suffoquent derrière. Le mec, il se noie dans du ketchup. Putain. Je me marre bien sur ce... Je sais pas combien... Ça fait combien de temps on tourne, là? Et punaise, qu'est-ce que je... Putain, qu'est-ce que je m'éclate. Oh, Toto. Quoi, j'ai pété tout à l'heure, il faut faire un beau combo. Bomba combo. J'ai déjà fait cette petite musique dans un autre... Je crois que c'était dans une partie de Far Cry. Bomba combo. De la chair. Allez, je saute. Ah, content de voir que t'as retrouvé le sens de l'humour. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. On va faire des trucs très malades, d'accord rire. Voilà, ça c'est fait. Même gueule. Poursuivons-les jusqu'au dernier. Alors, l'autre même gueule, un autre. On est enfin même pas, sur putain, la même longueur d'onde ici. Et hop, là je passe au-dessus. Pou. Je suis où là? Je suis passé à côté en fait. Je dois passer au-dessus moi. Mais où? Ah voilà, c'est là-bas qu'il faut aller. Ah! Headshot. Même pas. Vertige. Ouais, 250 quand tu fais tomber. Putain, c'est trop bon ça. Je vais en gagner des points, ça veut dire. Hein. Pouh. Alors. De vilaine. Et hop là, en pleine gueule. Maintenant, c'est suffocation qu'on dit, les gars. Les headshots n'ont plus aucune valeur dans le jeu. T'es quoi, toi? C'est quoi? Juste pour le fun, je vais passer de l'autre côté en fait. J'aime bien shooter dans les trucs. Drôle. Là, il y a du fun. Ça c'est fait. Ça fait au plus de 500. Oh god. Notre logique est implacable. Mais... Je me suis bien défoulé. C'était un bon échauffement avant notre rencontre avec cette nénette de Final Echo. Final Echo, c'était nos remplaçants, Gray. Les nouvelles marionnettes. Et alors de Sarano. Ta rage est mal dirigée. Bon, j'espère que je vais pas devoir entrer dans son élément de feu en fait. Et ainsi. 4259, je peux m'acheter mon truc. On va le faire, hein. Déverrouiller charge. Hop là, optimiser charge. Bah. Comment on sert de la charge au fait? Acheter charge. Magasin, s'il vous plaît. Petite extension. Wow, that's amazing.
Mais bon, là j'ai un peu bouffé beaucoup de balles. Donc on arrête. Bon. Une tourelle d'artillerie là-bas, à couvert. Tu as couvert, maintenant tu prends des PV de tir. Alors, connard de malin. Un vertige, un vertige. Et... Boum, 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 boum. Tombe, 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 tombe. Yeah. Un vertige. Allez, allez, Ward. Allez, un vertige, un vertige, un vertige. Oui, tu l'as un peu aidé, mais c'est pas grave. King, 50. Tu me quoi, toi? Va-t'en. Ah bah. Fais boum. Bordel de merde. Voilà d'autres vautours. On saura les accueillir. Utilise cette mitrailleuse. Montez-moi ça, les gars. Bienvenue sur la chaîne de Ward. Oh, un bus qui vole. Regardez. Et un de moi. L'enfer. Il veut quoi, lui? Suivant. Bala 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 bala. Tout le monde descend, enfoiré. Facile que dans Far Cry 3, hein, de Ico, soit dit en passant. Même si c'est pas du quand je tombe sur un vrai Ico, c'est un peu chaud, je pense. Il reste rien. Ah, c'est quoi ce freeze? Regardez, un bus qui vole. C'est le bus de Scooby-Doo. Le van de... Gray. Je me sens mal. Je n'y arrive plus. Relève-toi. Lavette. Je m'occupe du gros. Mets-moi ton cul. Voilà. Coup de pied dans le cul. Alors maintenant tu te bouges. Waouh. Qu'est-ce qu'il veut lui? Viens là. Voilà. Petit. Belle gueule. Bim. Ça c'est bien beau encore comme d'habitude. Comme Ward même, j'ai envie de dire. Bon, on accélère. C'est pour utiliser quoi ça? C'est un moteur? Une alimentation? C'est l'alimentation de cette tireuse. Eh parfait, c'est parfaitement protégé. Ah bah ouais, c'était pas ça. Bon, toi tu vas venir, connard. En fait tu t'en vas. Non, je vais mourir. Top, je vais mourir. Ah non, je suis pas mort. Bref. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Et hop là, un plein gueule. Et hop là, un trou de balle. Maha. Maha. Pas toi, je parlais. Non, pas toi. Toi, tu t'en vas. Voilà, tu te gardes de bouclier. Pas toi non plus. Yeah.
mourir là, c'est sûr. Wow, je suis où là? Vous avez cassé la gueule ou? Ouh, pas loin. Ouais, c'est pas grave, tant que je suis pas mort. J'adore ce décor, matez-moi comment c'est beau. Bon, j'espère que j'affronterai pas que des cons comme ça là, des espèces d'arriens de merde. Ça va vite être chiant. J'espère que j'aurai pas que ça comme arme non plus. Tant qu'ils viennent et... Pouh. Ah. Crêpe. Qui veut des crêpes? Il atteindra des crêpes. Il atteindra des crêpes. Il atteindra des crêpes. Électrocution. Harlem Shake. Harlem Shake. Yeah. Regardez-moi ça. Oh. Et un replay, s'il vous plaît. C'était beau. C'était beau. C'est bon, Ishii. Recharge tes accus. Allez, Ishii, essaie de pas faire un Harlem Shake comme... J'ai besoin d'un peu de temps. Bon sang, je n'ai aucun port d'accès. Défends-moi contre ces mecs. Toujours ça. Bon, allez, on se bouge. Il a fait un Harlem Shake. Mais quelle petite flip. Changer de mieux. Ravi de l'entendre. Gray, j'ai provoqué une surcharge. Je prédis une explosion imminente au niveau des générateurs de gravité. Eh ben moi je prédis qu'on va foutre le camp d'ici et si ça. Par là? Non, pas par là. Espèce de connard de Ishii là qui fait des surcharges et qui fait du Harlem Shake. Il danse et après il fout le bordel. Ah. Et hop là, un vertige. La chance nous sourit enfin. Un train de fret, droit devant. Bon allez, on va améliorer les lassos, hein. Ça coûte combien, ça? Ah, ok, on peut pas. Non, arrête de me parler du lasso, c'est une bande de connards. Je sais pas pourquoi... Optimiser charge, s'il vous plaît. Merci. Ah, d'accord. Dernier départ d'explosionville. Embarquement immédiat. Charge, ça s'économise, hein. Ça c'est fait. Hop là, ça c'était raté, c'était un fail. Merci Ishii, t'as fait ce que je voulais. Bon, ah la salope, putain lui là. Hey. Replay s'il vous plaît. C'était encore magnifique. Qu'est-ce qu'il veut lui? Allez, tu retournes toi aussi. Ah j'adore. Non allez lui aussi lui. Merde, fais chier. Il a pas voulu y aller. T'as rejeté de la société, il aime pas danser avec les gens. Bon. Comment ça hors de portée? Je vais te montrer celui hors de portée. Et pouf! Pleine gueule. Suffocation, yeah! Attendez, je vais voir la suffocation. Pousse-toi à ta bite là, je... Putain, trop tard. Yeah.
ta gueule. Quand mec il gueule. Allez, va-t'en. Mais il sort d'où cet empaffé? Il est superchargé en armement confédéré. C'est pas d'où il sort, mais... Il a surtout l'air superchargé en cholestérol, ce gros tas. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah putain, la salope. Voilà. Et non, à couvert. Kit de largage, je vais te dégoûter, mais on s'en tape du kit de largage. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à ce mec? Il est invincible. Ah, plus de munitions chargées. Ah. Yeah. Un peu de gueule. Bah voilà, frag de boss. C'est quoi ça? Amazing. Ah ok, il a juste été réduit en miettes. Alors gros porc. C'est bon, vous? Tant mieux. Viens là, ma jolie, viens. Je parie sur toi. On peut la porter comme on veut ou... Et hop là, en pleine gueule. Les moteurs sont prêts, il y en a pour une minute. Je suis en train de les démembrer, mademoiselle. Comment gagner des points? Oh, je vais garder cette arme pour toi. C'est ça. Je sais pas si vous entendez là avec la musique, mais ok. J'entends les bruits de démembrage. Oh. Ok, combien de points j'ai gagné là? Ici. Connard, actionne cette putain de roue. Si jamais il l'active. Et là il a activé ses coups. Super. Tu peux pas faire accélérer ce truc? Si tu veux t'en charger, fais-le. Je n'y comprends rien à ce truc. Alors ce mec c'est un ordinateur maintenant. Je comprends rien. On va se faire massacrer. Quoi maintenant? On a de la visite. T'es prêt à te battre? Je vais tous les tuer. Pour Doc, pour Ren. Alors là, je te retrouve, mon pote. Voilà, boum. Et boum! Ouais, tu l'as dit. Suivante. Ça lag un peu là. Je vais essayer de régler les problèmes. Je sais pas si j'ai redémarré mon Fraps. Je crois que j'ai zappé. Pas d'eau. Bah bref. C'est parti. Dernier train avant explosion. Quoique non, en fait, ça fait un peu trop. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. Alors, si ça vous a plu, vous votez pour ça la prochaine fois. Cet après-midi, je vais faire un petit peu de DMC et... De Darksiders 2. Sûrement du DMC, puis... Voilà, hein. Que vous dire d'autre? J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Ward, et je vous aime. Bye bye. Hey!